Et on retrouve Daryl Mélégant pour la page santé. On parle du cancer aujourd'hui. Daryl, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. C'est une maladie qui sévit au Bénin depuis des années. Le cancer englobe un vaste groupe de maladies. Et oui, puisque nous sommes toujours dans le mois rose, on va parler du cancer, mais cette fois-ci du cancer en général. Et le cancer désigne l'ensemble des maladies provoquées par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et se détacher de la tumeur initiale. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur nommée métastase. Alors, les métastases sont responsables de 90% des décès. Et dans les cas les plus graves, la survie du patient est menacée. En particulier, le stade dit terminal implique que le patient est condamné à mourir. Le cancer débute par des changements physiques, c'est-à-dire la perte de poids, l'apparition d'une grosseur ou de gonflement, voire rauque et enroué. Les difficultés à avaler, importantes sueurs nocturnes, des fièvres récurrentes, la toux chronique, des marques sur la peau et qui aussi ou change d'aspect. Alors, il existe un très grand nombre de cancers hein, et différents selon leur localisation, le type de tissu touché ou encore le stade de gravité. Il existe un grand nombre de cancers, comme je l'ai dit tantôt, des centaines de cancers. Ils se distinguent par la nature du tissu touché, l'organe ou la structure affectée, le grade ou le stade de cancer. Donc, il y a le cancer de l'estomac, cancer de l'ovaire, de l'œsophage, cancer de la gorge, de la peau, cancer des testicules, cancer du col de l'utérus, du sein, cancer du foie, du pancréas, cancer du poumon, du larynx et même la leucémie. On va dire le cancer du corps et on va quitter. Il y a les cancers pour tout. Pour tout. Ça dépend de l'organe attaqué. Alors, et qu'est-ce qui entraîne le cancer? Existe-t-il des symptômes ou des signes qui peuvent alerter? On va parler plutôt, René Sogo, des risques liés au comportement. Les risques liés au comportement, c'est-à-dire une alimentation déséquilibrée, les produits congelés que nous conservons chaque fois, et les conserves, c'est-à-dire les sardines, voilà. On a, je dis, congelé, oui, conservé, oui. Conditionné pendant des années, avant que nous, on ne consomme cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours des produits additifs avec lesquels on conserve ces aliments que nous consommons. Alors, il faut dire qu'un cancer qui s'est propagé aux os peut causer aussi des douleurs osseuses. Et un cancer qui s'est propagé à la moelle épinière, par exemple, peut la comprimer. Et le cancer peut aussi causer la douleur et va bloquer les organes, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins. Et la plupart des facteurs de risque du cancer s'expliquent par un terrain génétique héréditaire favorable. Si vous avez un parent qui a eu à souffrir donc du cancer, vous êtes aussi sujet à faire donc le cancer une fois dans votre vie. Et toutefois, l'apparition de certains cancers reste mystérieuse. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible de prévoir ou de prévenir l'apparition de la maladie. Et il y a des symptômes qui doivent nous alerter, René Soglo, des symptômes qui vont permettre de suspecter une tumeur dès l'examen clinique. Il peut s'agir d'une douleur, comme je l'ai dit, la fatigue récurrente, la perte d'appétit, les sueurs nocturnes lorsque vous avez très souvent chaud la nuit et des sueurs et nocturnes, alors là, il faut s'alarmer. Il y a des nausées, des vomissements, la constipation lorsque vous êtes tout le temps constipé. Lorsque vous voyez du sang dans vos urines, et c'est déjà un signe d'alerte. Et lorsque vous faites des infections à répétition aussi, il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer. Alors, peut-on prévenir? Si oui, comment? Alors, il est possible de réduire certains facteurs de risque du cancer. Voici quelques recommandations qui vont permettre donc de réduire les risques d'être touchés par la maladie.
Et ces dernières consistent principalement en l'adoption de modes de vie sains. Évitez d'abord le tabac. Le tabagisme est un cancérogène avéré pour l'homme. C'est la principale cause de cancer dans le monde. Le fumeur est exposé à beaucoup plus au cancer du poumon et le cancer de la vessie. Donc, il faut se protéger également des rayons ultraviolets. Conserver un indice de masse corporelle normale, c'est-à-dire l'obésité dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30, entraîne un nombre important de nouveaux cas de cancer dans le monde. Il faut adopter à la suite une alimentation anti-cancer, c'est-à-dire augmenter votre consommation de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique et riche en fibres. Il faut privilégier les fruits et légumes, diminuer votre consommation de la viande rouge, surtout de la charcuterie, et au profit d'autres sources de protéines, pourquoi pas des œufs, des poissons, la viande blanche. Les conserves, comme je l'ai dit tantôt, il faut les éviter. Tomates en boîte, les sardines, les tartines, les corn-bœuf sont vraiment déconseillés. Il faut limiter sa consommation d'alcool. Il faut bien dormir aussi. Et en ce qui concerne le cancer du sein, les femmes qui allaitent de manière prolongée leur enfant ont moins de risques de développer ce type de cancer. On va dire tout simplement, prenez soin de vous dans les moindres détails. Prenez soin. Voilà, encore, on essaie de le faire au quotidien, Daryl. Mais les gars, merci, on prend soin de nous, ça ne suffit pas. Il faut aussi beaucoup prier pour les croyants. Allez, merci. On va retrouver donc la deuxième.